Tu as la foi en Dieu? Pendant beaucoup de temps, je ne savais pas comment répondre à cette question. Je ne savais pas expliquer ce qu'est avoir la foi. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a appris qu'un autre mot synonyme de foi est confiance. Avoir la foi en Dieu, c'est la même chose que faire confiance en lui. Et là, les choses ont commencé à avoir plus de sens pour moi. Dire « avoir la foi et ne pas faire confiance », ce n'est pas la foi véritable. Une bonne image pour représenter une foi véritable est celle d'un enfant sur un arbre. Le père qui est en bas regarde l'enfant. Il lui demande de se jeter en bas et dit qu'il va lui prendre. L'enfant fait confiance au père, sans attendre. Il se jette dans ses bras car il fait confiance qu'il va lui prendre. Dans le chapitre 31 du livre d'Ésaïe, à nouveau le prophète critique l'attitude du peuple d'Israël qui disait croire en Dieu. Mais quand le danger est apparu, il a cherché de l'aide auprès de l'Égypte. Il a changé le soin de Dieu contre la protection humaine. Le même Égypte qui les avait rendus esclaves et les avait humiliés quelques siècles auparavant, c'est de là que Dieu les avait libérés à travers Moïse. Et maintenant, le peuple court en direction de l'Égypte, en demandant de l'aide. C'est un grand retour en arrière. Au premier verset du chapitre, nous lisons « Quel malheur pour ceux qui descendent en Égypte, afin d'y trouver du secours, qui s'appuient sur des chevaux, qui mettent leur confiance dans des chars, parce qu'ils sont nombreux, et dans des attelages, parce qu'ils sont très forts, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et ne cherchent pas le Seigneur. » Au fil de l'histoire, Israël a découvert que la force de l'Égypte ne valait rien au moment de la guerre. Tous les deux ont été vaincus. S'ils avaient cherché de l'aide en Dieu, la fin serait bien différente. Et toi, tu as la foi en Dieu? Tu fais confiance en lui?